Oh, mais c'est pas vrai, mais où est-ce que je l'ai mis, cet ami flou? Si on m'avait dit que moi, Marie-Thérèse Porcher, j'attraperais la grippe. Après tout ce que j'ai fait pour la campagne de l'OFSP, là, l'Office fédéral de la Suisse qui panique. Non, mais vous vous rendez compte? On va devoir annuler toute la fin de la tournée. Bah, pas cool, ma poule. Oui, dis donc. Mais depuis que ce spectacle est géré par des gens sérieux, nous avons nous aussi notre plan pandémie. Ah bon? Vous pensiez tout de même pas qu'on allait prendre le risque de priver toute la Suisse romande de Marie-Thérèse Porcher? Ah bon. C'est pour ça qu'on en a prévu une de rechange. De rechange? Oui. C'est à toi, Marie-Thérèse. Par votre trompettiste? Il lui manque 30 cm. Pas partout. Oh. Bravo, très fin. Ah oh, bah quoi, c'est du Porcher. Oh, Marie-Thérèse jouée par un homme, on aura tout vu. En plus, il a pas de voix. Mais la voix, c'est pas un tort important. C'est fini, les chansons à garde. Aujourd'hui, ce qu'il vous faut, c'est une Marie-Thérèse moderne, branchée, une Marie-Thérèse qui slame. Qui slame? Moi, je veux faire un slam pour vous tous, messieurs dames, et pour toi, monsieur dame. Et pour ça, pas besoin de chanter dans le port d'Amsterdam. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et si peu de douceur? Moi, tout ce que je veux, c'est ressembler à ta sœur. Et même si pour nous, en ce moment, c'est la crise, je veux tout faire pour ne plus figurer sur ta liste grise. J'ai plus de crédit à la banque de l'espoir, mais il me reste encore de la fièvre le samedi soir. C'est pas gros corps malade, c'est petit corps grippé. Sur les troncs, il n'y a plus d'écorce. Sous la banquise, il n'y a plus de morse. Sous mes poils, il n'y a plus de torse. Non, et là, c'est au-dessus de mes forces. Non, stop, stop! Non, mais écoutez, c'est une plaisanterie. Vous comptez remplir des salles avec ça? Quoi, c'est la poésie du 21e siècle? De la poésie? Non, mais de qui se moque-t-on? Ça fait rimer dame avec Amsterdam, puis ça se prend pour Jacques Prévert. Alors dans ce cas-là, moi aussi, je peux vous en faire du slim. Musique! Je vais vous faire un slim pour les dames de la gym. Celles qui habitent Bursin et qui ont des gros seins. Celles qui habitent Montreux et qui ont des gros pneus. Celles qui habitent à Glan et qui sont mariées. C'est nul, ça rime pas. Ça rime pas, ça rime pas. Ça rime à quoi les rimes? Ça rime à rien. Arrête ça maintenant. T'as l'air d'une erreur avec ton tailleur. Et toi d'une tapette avec ta trompette. Oh ben quoi, tu voulais de la rime? Alors ça c'est de la rime riche ça. Ah, alors ça c'est plus de la rime, ça c'est de la pâte à mille feuilles. Non. Écoutez, il branle au manche votre plan pandémie là. Si vous voulez me remplacer, il faudrait d'abord trouver une Marie-Thérèse en bonne santé. Bonsoir. Et voilà que ça recommence. Je vous ai déjà dit que j'ai horreur des hommes qui se déguisent en femmes. Eh, hey, vous avez vu ça? Plan pandémie bis. Oh, mais quel abruti! Vous êtes malade aussi. Pandémie! Mais vous trouverez personne dans l'équipe. Tout le monde est contaminé. Contaminé, contaminé, c'est terminé. Ta gueule! Y a que les vieux qui sont immunisés. C'est vrai, ils ont vécu tellement longtemps, ils ont été en contact avec plein de virus, plein de grippes différentes. Non, il n'est pas sérieux, votre plan pandémie. Il marche qu'avec une Marie-Thérèse de 90 ans. Bonsoir, Lausanne. Carrément chez Michou. Non, mais messieurs, pour qu'on s'en sorte, il faudrait mettre tout le monde en quarantaine.
Au moins la quarantaine, ça fait longtemps que j'en suis sorti. Mais enfin, en quarantaine, vous êtes complètement folle, au moment où on tient le succès de l'année. Non, mais vous vous prenez pour qui? Pour drôle de dame? Il était une fois trois filles superbes, excusez-moi, mais il y a du travail. Mais non, beaucoup mieux que ça. On fait comme chez les CNI, quatre générations sur scène. La petite fille, la mère... Et la vieille tante. Et la grand-mère. Quatre générations sur scène, Marie-Thérèse Porchet de père en fils. Mais enfin, messieurs, mais vous êtes devenus complètement folles. Mais avec ça, on sauve le spectacle, on renfloue les caisses et on fait un tabac. On nique la grippe, on nique la crise et on nique ta mère. Si je veux. Bon, alors Marie-Thérèse, vous êtes avec nous, là? Ah oui, monsieur. Non, mais vous croyez vraiment que ça peut marcher? Non, mais regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde. Moi, de toute façon, il n'y a rien à voir. Hein. C'est le retour des Spice Girls. Les Spice Girls après l'accident. Mais enfin, qu'est-ce qu'on risque, qu'on essaie? Mais enfin, on va quand même pas chanter les chansons des Spice Girls. Jacqueline écoutait que ça à l'époque, ça me rendait folle. If you wanna be my lover, so tell me what I want, what I really, really want. I wanna really, really want, I wanna zig, zig. Ah non, écoutez. Non. Merci. Mais non, mais pour toucher les Suisses, il faut chanter quelque chose de Suisse, quelque chose qui marche. Du Suisse qui marche? Eh ben, vous pouvez chercher longtemps. Arlette Zola. On a dit des chanteuses, pas des coiffeuses. Betty Bossi. Ça va, grand-maman, t'as pris ton médicament? Je sais. Il y a un Suisse qui a eu du succès dans le monde entier avec ses chansons. Patrick Juvet. Oh, mais oui, très bonne idée, Patrick Juvet. Ça va te plaire, ça? C'est ton époque. Mais pourquoi vous arrêtez? We need a break. Il a besoin d'un break. Oui, il a besoin d'un break. C'est pas ma faute si sa voiture est trop petite. Non, mais attendez, les gars, vous pouvez pas nous lâcher maintenant. Eh ben voilà. Alors, on veut le pouvoir. On veut raconter l'histoire du jazz. Et puis, à la moindre pause, il n'y a plus personne. Même les Suisses allemands, on peut plus compter sur eux. Enfin, en même temps, je crois que c'est mieux parce que, franchement, où sont les femmes? C'est même pas les Bee Gees, c'est les frères Jacques. Allez loin, disparaissez, allez vous soigner. Tiens, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Allez, oust. Ah, vous, regardez-moi ça.